savez que notre maison est encore en chantier. Et vraiment, ça m'a fait vraiment de la peine de voir comment ma belle-mère a souffert de dormir dans une maison en chantier. Elle a les bobos et tout, et tout, et tout. Vraiment, il faut qu'on réunisse vraiment les forces pour vraiment réunir tous les éléments. Quand grand-mère, quand belle-mère arrive, que son lit, son matelas. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. God damn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars. Ça va aller la famille. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, vlog. Aujourd'hui on va faire une routine du soir en compagnie avec ma belle-mère. On a passé quelques jours avec ma belle-mère. Vous savez que notre maison est encore en chantier. Et vraiment, ça m'a fait vraiment de la peine de voir comment ma belle-mère a souffert de dormir dans une maison en chantier. Elle a les bobos et tout, et tout, et tout. Vraiment, il faut qu'on réunisse vraiment les forces pour vraiment réunir tous les éléments. Quand grand-mère, quand belle-mère arrive, que son lit, son matelas. Il faut l'argent. Parce qu'en fait, le matelas sur lequel ma belle-mère dort sont des matelas qu'on veut changer complètement dans la maison, dans toutes les chambres. Mais il faut un peu d'argent pour payer ce qui est bon. Parce que quand elle se couche sur ça, ça lui fait un peu mal au dos. Vous savez, avec le poids de l'âge et tout, il y a quand même un certain standing de matelas sur lequel ma belle-mère devrait dormir. Donc à cet effet, nous sommes, je crois que ça devient le troisième jour quand nous sommes ensemble. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que nous, on ne mange pas beaucoup. Quand on veut manger, on fait quelque chose qu'on a envie de manger. Aujourd'hui, on va vous embarquer dans une recette de quelque chose qu'on a eu envie de manger. Bon, pas quelque chose de trop spécial que ça quand même. Pas de spécial que ça. En tout cas, vous allez découvrir. Donc, venez en tout temps liker la vidéo si vous aimez bien les vidéos vlog. Pour ceux qui aiment les vidéos vlog, likez. Pour ceux qui aiment les vidéos lifestyle, likez également. Commentez comme d'habitude, surtout partagez afin que la communauté continue toujours à s'agrandir. Exactement. S'il vous plaît. À s'agrandir, les gars. Donc voilà, je passe à la cuisine. J'arrête avec le bavardage parce que je crois qu'on va aller déposer ma belle-mère après aussi. Donc à cet effet, il faut que j'aille très 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 vite. Donc je suis chanceuse. Mon mari vient aussi m'aider à la cuisine. Ça va être juste incroyable, je vous assure. Voilà, on a pris ce petit fût. Parce que ça n'était rendu compte que pour conserver du riz. Parce que quand on achète du riz, on achète en grande quantité. Et pour conserver du riz, on avait des difficultés. Donc du coup, on a pris un petit fût comme ça. Qui s'ouvre de cette façon. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur duquel on peut conserver du riz. Mais ma belle-mère vient de me donner un secret que je vais d'ailleurs même à cette occasion partager avec vous. Ma belle-mère me dit qu'il est absolument important de mettre du riz à l'intérieur avec son sac. Parce que, en fait, je vais envoyer la caméra à ma belle-mère, elle va vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre de sa propre bouche. Allez-y. Ma belle-mère chérie, maman, il faut mettre dans le fusil avec son sac, pourquoi? Parce que la ceci, le sang et l'esprit est vide. Ah, ok. Puis ça dure longtemps sans que tu bois, ça va être noir. Ah, ok, donc. Donc comme... ça garde la couleur des choses. Ah, quand tu mets dans le sang, ou l'haricot ou le maïs, tout ce que tu mets en contact du plastique, tu mets dans un sac. Oui, avec le temps. Donc si on met en contact du plastique directement, ça met dans un sac. C'est ça va moisir, c'est humide. Ah, l'humidité. Ouais. Vous savez que l'humidité, ça transfère la moisissure, donc du coup, vous avez tout compris. Donc là, je vais faire le feu. Normalement, quand je veux faire les fritures, si à la viande, du poulet, du poisson, je commence d'abord par les frites parce que l'autre va salir l'huile, comme ça, l'assaisonnement et tout. Donc le mieux d'abord, c'est que je fasse le pain. Mais avant ça, je fais d'abord le feu parce que ma belle-mère, c'est d'un bon feu là, ça réchauffe et c'est bien. Ça a vraiment bon goût quand on reste auprès du feu au village, je vous assure. Walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Le chien est en train de l'aider pour
pour le plantain. Donc j'ai intérêt à faire vite. Comme il est un peu décédé là, il faut que ça aille vite. Le gros couteau que tu as abandonné où tu l'es. Donc ce que je fais, le poulet, j'ai mis pour ce poulet. Vous savez, quand on ne cuisine pas avec du cube, du bouillon de cuisine, on a tous les secrets pour que la nourriture elle soit très délicieuse. Donc à cet effet, on en met stratégiquement. Donc la Kim Suzanne ou la Kim Christian, vous constatez que qui est à l'œuvre maintenant, c'est Monsieur Christian qui est à l'œuvre. J'ai décidé que je dis à Christian Suzanne que ce n'est pas parce que tu prépares que je suis pas bon. Hein. J'ai fait mes preuves. Hein. Cuisinier, je suis un fin cuisinier. Entrepreneur, je suis un fin entrepreneur. Businessman, je suis un fin businessman. Travail, je suis un monde du travail. Donc, vous allez découvrir ma recette. Vous allez voir vous-même comment je vais manipuler. C'est moi qui vais faire les condiments aujourd'hui. Après, tu me laisses faire les condiments, hein, Suzanne. D'accord, chérie, bien voilà. Sûr. Voilà. Bien sûr. Avec plaisir. Je suis un homme polyvalent. C'est vrai qu'on ne vous a pas fait le marché. En fait, du poulet frais comment? C'est-à-dire, vous achetez votre poulet vivant et on le tue. Les fermiers sont là avant le tout. Le plus souvent, on a l'habitude plutôt de manger le poulet du village. Il y a deux fois également qu'on en mange celui-ci, comme aujourd'hui. Donc, avec le poulet du village, on fait beaucoup plus de nourriture sous forme de bouillon aussi, sous forme de rôti. Parce que celui-là, quand vous le faites, parce que sa chair est beaucoup tendre, quand vous le faites cuire longtemps, après sa chair, elle devient, elle vous fond, elle fond dans la bouche et elle est tellement, tellement, tellement agréable à manger. Et c'est beaucoup plus recommandé même d'ailleurs. Donc, à cet effet, de fois on change, comme c'est le cas aujourd'hui. De temps en temps.
t'envoler comme de l'oiseau. Ne m'aide pas encore. Ok. Dans la famille, voilà les épices. Oh. Donc en fait, quand vous n'avez pas concassé les rondelles comme j'ai fait tout à l'heure, ça n'écrase pas. Même si c'est n'importe quel type de machine, il faut toujours concasser les rondelles. Donc là maintenant, on va assaisonner. Donc j'ai mis les épices. Là maintenant, je rajoute également les condiments verts aussi. Le fait de mettre de cette façon, ça va déranger certaines personnes certainement, mais en tout cas, c'est pas... Il faut que je masse pour que ça pénètre très bien le poulet en fait. Je n'ai pas le choix. Donc on fait tout au village de façon traditionnelle. Donc après avoir très bien mélangé, ce que je fais ensuite, je laisse reposer quelques minutes avant de poser au four. Donc, les condiments que j'ai fait pour vous avez vu, ça contient de l'oignon, ça contient le poireau, ça contient le poivre blanc avec les rondelles que j'ai écrasées ici, ce qui était sec, et c'est tout. Là maintenant j'ai mis un peu de chacun pour assaisonner le poulet. Là maintenant je rajoute du sel de cuisine. Donc, puisqu'il y a le plantain là-bas au feu que ma belle-mère est en train de m'aider à faire ça pour moi, je vais poser ceci à l'intérieur sur le gaz. Afin que quand le plantain sera totalement terminé, qu'on puisse faire également créer le poulet dans l'huile. Donc voilà, j'ai déjà posé au feu. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste attendre que ça mijote quelques minutes. C'est vrai que le poulet, quand bien même c'est pas le poulet du village qui a été élevé en plein air, ceci c'est le poulet comme vous avez vu le reformer. Mais on achète plutôt chez ces éleveurs là qui font nourrir le poulet en plein air. Donc sa chair est beaucoup plus tendre que les autres reformés que vous pouvez trouver sur le marché. Donc, on ne les élève pas dans un enclos, mais en nature. Et ça fait une très très grande différence au niveau du goût, au niveau de tout ce qui va avec en fait la qualité. Donc, on va laisser cuire juste légèrement, pas trop, parce que ça va terminer de cuire dans l'huile, afin que ça soit vraiment, hein, que ce soit vraiment comme Monsieur Christian aime pas, comme ce soit comme ce qu'on mange souvent des là qui est comme le carton, hein, pas du tout. Les hommes qui nous regardent, sachez aussi que vous pouvez aussi préparer pour vos femmes, vous les rendre heureuses, oui. Ça fait que le couple vit en harmonie. On peut tout faire ensemble, on peut préparer ensemble, on peut entreprendre ensemble, on peut faire tout ensemble. Et ça rend le couple plus en harmonie. Ah, je viens de mettre encore un tour au feu. On attend que ça cuise. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Le poulet est déjà bien cuit. Bon, pas bien cuit, que c'est cuit, mais le nombre de temps qui s'est écoulé est largement suffisant pour que je puisse enlever de la mamie comme ça. Pour que je puisse retirer, pour que je puisse enlever. Retirer, enlever. Donc voilà. Regardez-moi ça, comment c'est doré avec ces condiments. Regardez. Ouais, ça c'est l'objectif du jour en fait. Voilà.
Après avoir enlevé mon poulet de la mamie, ce que je fais maintenant, je vais rajouter ceci. Donc je rajoute un peu de l'eau pour que la consistance soit moins pâteuse. Je mets dans la mamie. En fait, ça c'est les condiments avec lesquels on va manger le poulet en fait, parce que quand on a la possibilité de manger quelque chose de très bon, on prend tout son temps à faire, même si c'est la friture, que ce soit les grillades, la braise, peu importe ce que vous voyez, généralement on fait souvent en vlogant avec vous. On en fait toujours un bon piment, un peu comme une sauce à côté pour manger en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on va appeler ça, mais en tout cas, le message est passé. Donc ce que je vais faire donc, je vais aller dehors. Dès qu'on finit avec le planteur maintenant, je vais passer le poulet maintenant dans l'huile. On va faire frire. Tandis que ceci sera en train d'être prêt à l'intérieur à feu pour gagner en temps. Quand je pose au feu, tout ce que je vais remonter, c'est le sel de cuisine et l'eau. Et ça sera très bon, je vous assure, très 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 bon. Comme j'avais déjà mis du sel de cuisine sur le poulet, je goûte d'abord. Bon, comme il y a de l'eau, je ne pourrais pas. Je vais d'abord laisser l'eau tarir jusqu'à ce que ça reste la pâte en elle-même. J'en rajoute juste un peu de sel et ça sera prêt parce qu'il y a déjà un peu de sel, c'est déjà un peu salé. Puisque le fond contenait le fond des condiments que j'ai mis sur ceci avec du sel de cuisine. Donc c'est déjà salé, c'est un peu fade. Mais on va d'abord laisser comme ça. On va gérer le reste après. Donc on va pour la friture. Mais entre temps, d'abord, je vais prendre les parties qui sont un peu molles. Je vais faire manger aux enfants comme le foie, comme le cœur, le foie. Le foie. Ça, c'est le gésier. Je ne sais pas chez vous, mais dites-moi, est-ce que chez vous, on garde le gésier toujours pour l'homme de la maison? Dites-moi dans les commentaires si on fait comme ça chez vous. En ce qui me concerne, chez nous, c'est comme ça qu'on fait en fait. Depuis mon tendre enfance, on garde le gésier toujours pour l'homme de la maison. Quand j'arrive en Turquie et que je découvre que carrément vous partez au marché, si vous voulez acheter 5 kg de gésier, on vous vend. 10 kg de gésier, on vous vend. Tellement on a fait le rôti de gésier en Turquie, tellement que je me pose encore les questions à savoir est-ce que donc c'est aussi quelque chose de prisé que ça, puisque puisqu'à l'étranger, surtout en Turquie, je sais pas dans vos pays, dites-moi aussi si chez vous en Turquie il y a tellement de repas qu'on fait uniquement avec le poulet à la chair de poulet, donc vous en trouverez toutes les parties. Heureusement, quand j'étais enceinte, en fait pendant mes grossesses, quand on fait déjà frire le poulet, je ne suis plus là, je ne mange plus. Quand je mangeais le poulet, il fallait que le poulet soit comme ceci. Du genre, on s'apprête à faire frire. J'enlève pour moi, je mange comme ça. Et c'est plus juteux dans ma bouche et tout. Et après, quand on fait frire, là, je n'ai plus envie de manger. C'est quand j'accouche que je suis pas enceinte que je peux manger le poulet frit. Je vous assure. Vous, dites-moi dans les commentaires, pendant que vous êtes enceinte, quelle est votre folie en fait? Parce que moi, il y a tellement de choses qui m'arrivent quand je suis enceinte. Il y a déjà les nourritures que je ne peux plus manger. Il y a une certaine façon de m'alimenter. Par exemple, tout ce qui est chimique, comme les jus faits avec les colorants et tout ça. J'ai un peu de mal à me nourrir en fait pendant que je suis enceinte. Ce n'est que quand j'ai été enceinte au Cameroun. Oui. À ce moment-là, comment on dit ça? En fait, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre folie quand vous êtes enceinte? En ce qui me concerne, il y a tellement de choses que je ne peux pas goûter quand je suis enceinte. Les choses qui contiennent des colorants à l'intérieur. Par exemple, quand on vous dit jus d'orange, alors qu'en réalité, ce n'est pas le jus d'orange. Vous voyez un peu le genre. Donc, quand j'avale directement, ça ressort. Pour que j'avale un jus, il faut que ce soit pressé à la main, que ce soit vraiment du plus naturel. Donc, c'est un peu ça. La paix.
C'est ça, tu ne peux pas manger ce Jésus. Il y a un truc quand que mon paye 5 kilos de Jésus, on fait le rôti alors. Ça, c'est le faux Jésus, les Jésus de l'Europe, c'est les connais. Les Jésus, qu'on appelle Jésus en tout cas. C'est l'honneur de l'Afrique. Voilà, ma mère est en Afrique. C'est l'honneur. Les gars, dans une famille, quand on prépare la foule comme ça, c'est le chef de famille qui doit manger Jésus. Si c'est eux qui mangent, ils vont porter à ma émission. Attendez, la grand-mère, la maman va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est l'homme qui mange Jésus. Maman, explique à la maman. C'est parce que c'est l'honneur. On ne prépare pas plusieurs poulets comme vous dites là. Voilà. Quand on fait le poulet, le Jésus, c'est pour le père. Voilà. Il ne peut pas chercher ça. Voilà. Sinon, maman, ils vont porter la malédiction. Monsieur qui vient encore ajouter la malédiction, c'est ça que ça a fait quoi? Oui, vous savez sujet à la malédiction. La famille, en fait, vous avez compris comme maman a dit, c'est pour l'honneur. Honorons nos maris, hein. Sans nos beaux bébés. Voilà. C'est ça ou c'est ça, pas? C'est ça. Il a mis le Jésus dans le plat de son mari avec la poitrine du Jésus. Il était avec son ami. Oui. Oh, son ami était égoïste. Oui. Il a pris le Jésus, il a mangé sans, il a avalé sans manger. Et le père a cherché sans trouver jusqu'à renvoyer sa femme. Les gars, vous comprenez l'histoire, c'est-à-dire dans une concession, l'homme est venu à la maison, il était accompagné de son ami. Sa femme a préparé la nourriture, elle avait mis le Jésus dans la sauce. Là maintenant, quand l'homme s'est servi, il s'est rendu compte qu'il avait le Jésus dans sa part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé même sans même faire comme ça. Quand l'homme s'en rend compte que ma chère, ma femme, où est mon Jésus? L'homme constate seulement que c'est son mari qui a mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié sa femme. Ah. Vous voyez l'histoire du Jésus? Je n'ai pas compris. Son mari a mangé et son mari le répudie encore. L'ami de son mari, n'est-ce pas? L'ami de son mari a mangé. Il a enlevé la sauce, il a pris au plus ça. Et oui, il a avalé son mari sans manger. Il n'a même pas voulu que ça passe. Il a dit, où est ça? L'homme n'a rien dit. Parce que c'était la gourmandise. Donc, il a renvoyé sa femme le même nuit. Donc, en fait, le plat était servi. Pendant que l'ami de son mari se servait, puisque la femme avait mis des dents pour son mari, elle savait que même si l'ami est à table avec son mari, avec son ami, il n'osera pas toucher parce qu'on connaît déjà la paix. Il a fait, il a fait. Le père devait juger pour donner sa part. Mais il a avalé sans manger. Oh là là! Il a renvoyé la pauvre mère. Maintenant, l'homme a cherché le Jésus dans la nuit sans trouver. Il a maintenant dit que j'ai mis. Que la mère dit que j'ai mis dedans, je n'ai pas mangé. L'homme a renvoyé sa femme du mariage. Oh là 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 là. À cause du Jésus. En tout cas, c'est une histoire. Renvoyé à cause du Jésus. Non. Oui. C'est une petite fabrique. Ça, tu vas porter la malédiction. Oui, je protège. Non, je vois, c'est tout. La famille, si vous voyez la façon qu'il a avalé ça, je vais vous mettre le ralenti au montage. Vous allez voir le ralenti comment il est. Je veux que les deux côtés soient bien dorés. Interdiction stricte pour les enfants d'enfants qui quand on travaille avec lui. Interdiction stricte. Vraiment, lui, c'est quelque chose que si par mégarde l'enfant se brûle avec lui, ça ne va jamais se cicatriser, ça va rester à vie. Et cet enfant-là va vous porter dans son cœur comme ça. Donc, mieux vous les mettez à l'écart. Parce qu'on ne sait jamais. Et si l'on ne sait jamais, quand l'enfant tombe dans lui, plongez-les dans un coup d'eau. Pour diminuer la chaleur avant de tout faire. Ou bien si vous avez l'huile de palme, c'est comme un enduit, vous versez sur l'enfant en fait. La famille? Quand j'ai déjà fini comme ça, ce que je fais, j'en ai d'abord pour M. Christian.
Où est-ce que j'ai mis le plantain? Là-bas, dehors. Donc voilà. Bon, je commence par ramasser d'abord son plantain. Je mets dans l'assiette. Il adore seulement. Aïe! Le plantain mûr et lui, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, je lui mets des parties comme ça. Je lui mets quoi encore d'autre? Ça. Bon voilà, c'est tout. Donc ce que je fais, je couvre juste et je mets à côté. Maintenant, on va servir l'ensemble par ma belle. Hein? Moi, je mets un peu de sucre. La famille, je réfléchis comment elle va vous servir vous aujourd'hui, hein, parce que la famille, ça c'est pour vous, hein. Bon appétit, hein. La famille est déjà servie. Oh, c'est le but de ça, c'est magique. Ah, tu prends le poulet. Les enfants, c'est le poulet. On dit que quoi? Mathis, tu veux manger le poulet? Tu veux? Quand? Allons-y. Le goût de ça, c'est magique. Mon bébé va se régaler, mon. Régalez-vous-même, regardez. Ça vaut la peine de faire 2 jours sans manger pour après manger un truc comme ça. Parce que, il faut qu'on admette, quand c'est déjà la friture, c'est la malbouffe. Et ce n'est pas frit avec n'importe quel type d'huile. C'est frit avec de l'huile de coton. Donc, ça minimise quand même un peu les risques, n'est-ce pas, chérie? Maman, la famille, je vais tourner la caméra. Ma belle-mère va noter mon piment. Avec une note sur 10, on va comprendre combien Suzanne a pour la note pour son piment. Voilà, je ne suis pas à côté de gamme. Mais il ne faut pas dire que je ne suis pas à côté d'elle comme ça pour influencer sa réponse. Hein. Vous savez que ma belle-mère ne badine pas, elle est stricte. Donc quand elle va donner sa réponse, là, sachez que c'est exact à 100%. Ce piment est très bien. Mm-hmm. Il y a des piments. Qu'on compose mal et il y a des goûts amers, mais ça c'est un bon goût. Oh, merci maman. Voilà, si c'est juste. 8 sur 10. Alors, 8 sur 10, c'est une bonne moyenne. Pour que ma belle-mère vous donne 8 sur 10, ah, il faut que vous méritez. Maman, ouais, après, mon plantain. Maman, après, je mets le piment, le plantain de Christian alors. Non, c'est doré. Ah, n'est-ce pas? Oui. Quelle note? 7 sur 10. 7 sur 10. Ah là, oui, bien sûr. Attends, tu crois que tu vas être premier et être deuxième? Donc, au lieu qu'elle soit premier, le piment. On va voir le premier. Ouais. C'est le piment, qui fait tout. Vous avez bien fait le piment, elle n'est pas bien fait. Ça va pas bien donner. Donc, c'est la base de la base. Après, elle va mettre ce tapas, le reste de piment là dans un grand. Tu rentres avec non, maman. Ok. Voilà. La famille, en fait, on est en train d'aller déposer ma belle-mère parce qu'aujourd'hui, elle va dormir chez elle. Donc comme je vous disais tantôt, la chambre qui est réservée, en fait, comment je vais vous expliquer ça? Quand ma grand-mère venait, ma belle-mère venait, elle a son... Ça passait le terrain, c'était pas loin de la nôtre. Donc à cet effet, il y a des mois où elle a les travaux en fait, pour ne pas venir et rentrer encore loin chez elle, là où ils ont... Là où mon mari a grandi et tout. Parce que là où la passée dans laquelle, sur laquelle mon beau-père avait construit, il ne vivait pas là-bas en fait. Et nous sommes venus aussi construire non loin de là. Donc ma belle-mère a le champ à côté en fait. C'est elle-même qui m'avait donné la parcelle de champ que je cultive. Et du coup, quand elle a les travaux, elle vient, elle passe la nuit, elle dort avec nous et elle travaille. Et comme je vous disais tantôt que notre maison est encore en chantier,
nous n'avons pas encore, c'est-à-dire, comment dire ça? Donc quand elle dort sur un matelas qui est dur, elle se sent à l'aise. Par contre, quand elle dort sur le matelas qui a le ressort, même si c'est un matelas qui coûte 1 million, si ça a déjà le ressort, ça va lui donner mal au dos. Du coup, il y a un certain style de matelas, on appelle ça quoi? Il a un certain nom là. Il faut que quand elle se couche dessus, que ce soit dur. Ah, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. En tout cas, la famille, on prend la route, on va aller la déposer. Mais entre-temps, elle a rencontré des arachides, elle va donner pour vous. On y va. La famille, en fait, si vous aimez la canne à sucre, c'est que vous devez certainement dire que, ah, Suzanne, j'aime trop la canne à sucre. Voici le piment de ma belle-mère. Et vous avez vu, devant ma barrière, là, il y a une partie, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça fait toujours partie de notre parcelle. Et ce que je cultive spécialement, ça ne fait pas partie de ma parcelle. De notre parcelle, autant pour moi. Donc, nous sommes en train de marcher comme ça pour nous rapprocher de la parcelle à mon feu beau-père. Et c'est... on ne peut pas être là en bas et ma belle-mère vient dort plutôt chez son feu mari. Bon, en fait, je ne sais même pas comment elle dit, puisqu'ils ont une autre maison là-bas, la maison où mon mari, vraiment la maison familiale où il a grandi, où l'aîné il a grandi. Et ici encore, c'est une autre de leur maison, mais ils n'ont jamais vécu ici en fait. Donc c'est un peu ça. C'est pour la raison pour laquelle je n'arrive pas à bien expliquer en fait. La famille, nous avons le champignon. Donc grand-mère, ça c'est le champignon qu'on mange, n'est-ce pas, oui, grand-mère? Oui, oui. Le champignon, en fait... Ah oui, c'est le bon champignon. C'est ça, non? Oui. Mm-hmm. C'est le bon champignon, la famille. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés de champignons? Ça, c'est le moyen. Oui, voilà. Il y a d'autres plus petits que ça. Voilà encore d'autres champignons par ici. Voilà. Voilà. Quand on vous dit que le village est bien... Oh mon Dieu! Regardez! Tout ça c'est le champignon. J'ai enlevé l'autre là derrière jusqu'à vendre à la femme de la concession à Tignes. Maman a déjà enlevé le champignon ici là jusqu'à vendre la quantité pour 10 000. Donc vous pouvez imaginer les gros gros, n'est-ce pas? Oui, le gens qu'on a acheté. Je revenais à 11h. Oui, les gens ont passé depuis le matin. Personne n'a vu. Et à 11h, j'arrive. J'ai dit, mais je rêve ou comment? C'est la qualité de champignons qu'on avait acheté dans un vlog. Le gens qui donne avec le gros chapeau là, non, maman? Oui. Si vous vous rappelez, je vais prendre les images de champignons là. Je vais vous mettre à l'écran. Donc, maman avait, pour compter ça, une bonne quantité. Et celui-là, j'avais acheté à 2000. Ce que vous voyez dans la vidéo, tout ce que j'ai acheté là, c'est tout ce que j'avais acheté là. Maintenant, imaginez si maman achète la quantité pour 10 000, si elle parvient à récolter une quantité qu'elle vend pour 10 000 francs. Dans une corbeille. Ça veut dire que c'était plein dans une corbeille. Ah, j'imagine ça. En tout temps, on était là-bas en Occident, on souffre à manger la malbouffe. Ici, ça pousse d'elle-même. Oh là là. Mais on est là dorénavant. Voilà ça qu'on profite. La famille, quand on arrache le champignon au village, on fait comment? Venez, je vous apporte. Je vous apporte. Oui, maman. Je vais arracher ça. Ce sont les gros. Oui, je viens, maman. Je vais apporter. Vous avez vu comment? Vous avez vu comment on fait le village, non? On coupe la feuille. On met. Oh, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir vraiment de... Voilà, c'est souvent une grand-mère qui arrache les gros gros, là. Ça, c'est des petits, en fait. Il y a d'autres plus petits que ça. Oui, mais je connais l'autre, là. On appelle ça chez nous le sagro. Dites-moi dans les commentaires les moyens de ça. Oui, dites-moi dans les commentaires si vous avez chez vous souvent les champignons qui sont un peu comme ça, mais plus petits. Le genre de champignon là est trop bon. Souvent, quand on récolte ça, on prend vraiment du temps. C'est-à-dire, ça pousse comme un tapis, comme le tapis. Ça envahit une grande surface. On prend le temps, on récolte. Et celui-là est très bon. Ça, c'est la même chose, mais le grand de ça. Donc voilà. La famille, en fait, je crois qu'on va arrêter comme ça avec ce vlog. Nous sommes venus déposer ma belle-mère. Donc prenez soin de vous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Maman, bye bye.
that my baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time.